Après Bingerville et Port-Boué, la délégation de la Banque mondiale était toujours sur le terrain. Elle a visité des infrastructures. C'était en présence du ministre Patrick Hachi, ministre chargé des infrastructures économiques. Le compte-rendu de Lansiné Fofana. La délégation est allée constater l'achèvement du réservoir d'eau potable de Cocody-Abata, un château de 36 mètres de haut et de 2000 mètres cubes de volume. En 12 mois, les travaux seront achevés. 150 personnes environ sont à pied d'œuvre pour le réussir. Et ce réservoir achevé pourrait alimenter la région d'Abidjan. Au dire des spécialistes, la présence de ce château d'eau permettra de réduire le coût du branchement de l'eau et pourrait plus tard même réduire le coût de la consommation. Après Abata, la délégation a continué à Angré pour constater l'existence du pont de liaison des 7e et 9e tranches. Comme dans le premier cas, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, et Pierre Dimba, le coordonnateur du projet d'urgence d'infrastructures urbaines, ont informé les administrateurs de la Banque mondiale conduits par Jörg Frieden sur ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. L'idée de la sortie sur le terrain pour les administrateurs de la Banque mondiale est simple. Voir l'évolution des travaux financés par elle, par la banque, recueillir les besoins des autorités, donc des populations. La mission, si elle est concluante, situerait mieux la Banque mondiale dans l'orientation de ses actions pour le futur en Côte d'Ivoire et cela déterminerait aussi les appuis financiers à venir.